Le RSA conditionné, c'est obliger les personnes qui sont au RSA à aller faire 15 ou 20 heures d'activité pour valider le fait de recevoir cette allocation. Nous sommes contre ces 15 à 20 heures parce que les personnes, elles ont besoin surtout d'être accompagnées pour retrouver un emploi. Depuis 10 ou 15 ans, on n'a pas arrêté de sabrer dans les dépenses d'insertion et donc ça se traduit par moins de travailleurs sociaux et donc moins de personnes pour accompagner les allocataires du RSA. On ne peut pas se satisfaire d'un pays où les personnes qui sont allocataires du RSA le resteraient à vie. Aujourd'hui, il y a un nombre trop faible d'allocataires du RSA qui au bout de 5 ans, 10 ans en sortent alors que ces personnes, elles ne rêvent que d'une chose, c'est d'avoir un emploi utile pour la société. 15 à 20 heures d'activité obligatoire, c'est une fois de plus stigmatiser, montrer les plus pauvres du doigt comme s'ils étaient responsables de leur situation. Nous, au Secours catholique, on en rencontre tous les jours des allocataires du RSA. C'est des personnes qui se battent au quotidien pour survivre, pour être au service de leurs proches malades, de leurs enfants. Ce qu'ils souhaitent, c'est un accompagnement dans la confiance et dans la durée.